Que vous reconnaissez évidemment lorsqu'on est sur Equidia, on ne pouvait pas s'empêcher hein, de monter sur un cheval qui s'appelle Ben Sedor. Vas-y, donne-moi un coup de cravache. À côté de son camarade Jean-Philippe Doux de 100% Mag, avancez s'il vous plaît, fouettez, j'entends pas les applaudissements. Vous pouvez. Et j'appelle sur scène le styliste représenté là par Esmeralda Goglio. Chocolaté par Frédéric Cassel, champion du monde des pâtissiers 2013, qui ont donné vie à ce moment de féerie. Frédéric Cassel, Esmeralda Goglio, Sophie Talman et Jean-Philippe Doux, 100% Mag, qui s'est fendu d'un fouet. Sophie, t'étais magnifique. Ça vous a plu? J'ai rien entendu, s'il vous plaît, ce soir, le 19e salon. Et le cheval n'est pas en chocolat, bien que on a envie de le croquer. Bravo Sophie, magnifique, merci beaucoup. Merci Sophie Talman, Jean-Philippe Doux, Frédéric Cassel, allez-y. Bon, est-ce que vous avez envie de découvrir, je pense à nos amis photographes, et vous voulez savoir qui, vous en avez reconnu, identifié quelques-unes hein, quand même, et quelques-uns. Vous voulez la solution les gars, au bout? Bon alors on y va, parce que ça fond de l'autre côté, donc on va essayer d'aller assez vite. Vous allez revoir évidemment les personnalités qui ont défilé sur cette scène accompagnées du créateur et du chocolatier. Je me permettrai discrètement de vous donner leur nom de sorte que vous puissiez remplir vos fiches. Vous avez vu, vous l'avez tous reconnu, qui a défilé? La première, c'était... Oui, c'est elle. C'est Natacha Polony qui a fait son défilé. Évidemment... On ne peut pas perdre tout le monde sur France 2, la revue de presse du matin sur Europe 1 tous les matins. Une tenue imaginée par le styliste Christophe Guillarmet, chocolatée par Emmanuel Rion pour Cacao Barry. J'entends rien du bruit.
Merci Natacha. Elle tenait à le faire, voilà, et on salue ceux qui sont venus applaudir Natacha ce soir. Bon, la deuxième, vous la connaissez bien aussi, celle que vous avez vu défiler, 100% Mag, entre autres sur M6 ou encore Enquête d'Action sur W9. Vous l'avez reconnue, elle est là, elle rentre, regardez, Marie-Ange Casalta. J'entends rien, habillé par Manon Bresson-Cancel et chocolaté par Jean-Marie Ruet et Keiko Orihara pour Monsieur Chocolat. Bravo, Marie-Ange. Enquête d'action, t'as eu de l'action ce soir. Ah, ventilation de chocolat, bien joué. Bien joué, Jean-Marc Ruet. Voilà. Distribution de chocolat, servez-vous, allons-y. À votre bon cœur, monsieur, dame. Une belle action ce soir. Marie-Ange, c'était parfait. À croquer. Avec le baiser qui va bien, Marie-Ange Casalta pour ce deuxième défilé. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour ceux qui arrivent tout de suite. Vous la connaissez bien. En public sur France 2 le samedi à 14h45, c'est Aïda Twiri. Oui, c'est elle. Dans un modèle imaginé par Lauren Bittard et chocolaté par Arnaud Larrère. Meilleur ouvrier de France, ça se voit rien qu'à son col. Bravo Aïda. Aïda, ce soir, c'est un spécial grand public. Très grand public. Merci à vous, bravo Aïda. À Lauren Bittard et Arnaud Larrère. Bon, ce travail étonnant, cette robe, regardez, c'est une pure dentelle, quoi, de chocolat. Regardez bien, il y a une filiation. Lorsqu'on s'appelle Jobert, on peut s'appeler Joséphine, on connaît la filiation. Mademoiselle, madame, monsieur, Joséphine Jobert, la fameuse série Cut, que vous connaissez probablement, qui marche très très fort dans un modèle signé Stéphane et Albert Martello et Bruno Rulli pour les délices d'un gourmand. C'est sur France O, la série Cut de Joséphine Jobert. On connaît la famille, forcément, que l'on salue. Merci beaucoup, Joséphine. Merci au chocolatier qui est venu là. La demoiselle qui arrive, oh là là. Les JO 2012, mon Dieu, vous la connaissez bien, le morning d'RTL2, c'est mademoiselle Louise Eklund. Louise Eklund et le garçon qui l'accompagne, ça m'énerve, Helmut Fritz. Lui-même, vous l'avez tous reconnu. C'est incroyable, quand je le vois défiler comme ça, je repense à toutes ces nanas qui défilaient pour moi à l'époque de la Noémie, de la Carla, c'est quand même autre chose. Helmut dans des créations de Nathalie Ercon, chocolatée par Franck Kestener. Et ça joue du chocolat aussi, il y a du meuf également sur scène. Louise Eklund, cette voix absolument surprenante. J'entends rien, le salon. Allez, Annabelle Mignot que vous avez vu défiler, la météo décalée de Canal+, CTL, RTL 9, CTL, c'est une comédienne bien connue, mademoiselle, madame, monsieur, pour nos camarades photographes. Dans un modèle de Nathalie Vigne, chocolaté par l'excellent François Pralu. Qui n'a pas mis de praluline sur sa robe. Un bon pralu. Oui. Bravo Annabelle. Ah, il y a le bisou de sortie de scène, un petit peu nécessaire. Attention, vous la connaissez également, vous l'avez vu. La voici qui fait son entrée, mademoiselle, madame, monsieur, Gila, Clara, Kessus, soi-même artiste pour la paix, pour l'UNESCO. C'est la styliste, entre autres, mesdames, le fameux sac, le tanneur. C'est elle qui en a fait le style. Vous le portez et ça fait un énorme succès. Et le journal d'Hélène Baer, en audio-livre, l'adaptation de ce livre magnifique, c'est également elle, Gila, Clara, Kessus, qui représente également l'UNESCO sur ce art, puisqu'elle est artiste pour la paix. She's up all night to the sun, I'm up all night.
to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. Dunia est avec nous. Dunia Cossens dans un modèle signé par Nicolas Fafiotte et Sébastien Brouillet pour le chocolat. Eh oui, elle est plus belle la vie comme ça, hein, tout de suite. Eh oui, vous l'avez reconnu. Elle est magnifique dans cette robe. Plus que magnifique même. Dunia Cossens. Très jolie, élégante, Nicolas Fafiotte qui a signé ce modèle à ses côtés. Et Sébastien Bouillet pour le chocolat. Voilà, vous l'avez reconnu aussi les amis, hein, la météo de Canal, nulle part ailleurs évidemment, avec son camarade Marcel Ruffio sur France 5. Tous les matins, c'est Mademoiselle Églantine Émeillé qui est sur cette scène dans un modèle créé par Maria, oh là là, Boyarovskaya. Je l'ai fait, et chocolaté par Jean-Paul Hémin. Magnifique tenue d'Églantine Émeillé avec son camarade Ruffio le matin sur France 5, le pédopsychiatre, mission qui marche très très fort, que vous êtes de regarder mesdames, messieurs. Bravo Églantine, bravo Maria, coup de chapeau à Jean-Paul qui est toujours là, fait partie des maîtres dans ce domaine. Regardez bien. Une bande dessinée qui vous a tous rendu dingue. Un film adapté de sa bande dessinée qui a fait un énorme succès. Si je vous dis Joséphine, mesdames, vous comprendrez, c'est la reine de la bande dessinée. Voici Pénélope. Adieu. Adieu. Dans un modèle créé par Freya Gucci et Mélodie Asraf pour les sucreries de Mélodie. Un petit dessin, une petite esquisse, une petite BD qui marche très fort. On a envie de l'appeler Pénélope Joséphine. Bassieux, toujours. La demoiselle qui arrive fait la pluie et le beau temps, mesdames, messieurs, sur M6. La voici, Laurence Roustanji, habillée par Benjamin Boot pour Ben Brass et chocolatée par la chocolaterie de Puy-Ricard, avec Tanguy Rolands, président directeur général de la chocolaterie Puy-Ricard, président de la Confédération des chocolatiers confiseurs de France, et Michel Panariello, maître chocolatier, qui est là, à ses côtés. Laurence, plus chocolat ce soir, sur Paris, rayon de soleil sur toi. Tout va bien, Lolo. À croquer, également. Une tenue très futuriste, c'est pour une météo à venir ça Laurence. Ah là là, génération Goldman, par deux fois, tube, carton, ça n'arrête pas d'enchaîner avec My Major Company. Elle sortira son nouvel album le 27 janvier, très attendu, qui s'appellera Tomber du lit. Elle ne l'est pas, puisque ce soir elle est sur cette scène. Mademoiselle Judith, dans une Europe créée par Valérie Pache et Stéphane Bonnat pour le chocolat. Judith, c'est un carton absolu de téléchargement. C'est la révolution musicale du moment, on attend tous cet album du 27 janvier. Profite Judith, ça change de scène. Oh là là, oh là là, l'empiafée était avec nous. C'est sa voix qui nous perturbe. Avec son tout nouveau spectacle, ça marche très fort, elle est en tournée en ce moment. Bien sûr, c'est Christelle Cholet qui vous a ravi de sa voix après Bobino, après le Théâtre de la Renaissance. L'Olympia, tout bientôt pour Christelle, habillée par Wenderson Arles Melo, Dobrejou, et chocolatée par C'est moi, représentée ce soir par le responsable marketing de la marque et communication, Christine Esserie Croca. Bravo mademoiselle, mademoiselle Cholet, une petite voix, un petit... voilà, un petit signe. Fait un carton en ce moment avec son spectacle. Christelle Cholet, le tout nouveau spectacle. Merci Christelle. Oh là là, alors là, la voix, le cinéma, accompagné par les meilleurs. Il y a de l'étoile sur scène, je vous le dis. La fée est avec nous, vous l'avez reconnue. C'est Elisa Tovati qui était là. Duo carton avec Tom Dimes. Energy Music Awards, en veux-tu, en voilà. La vérité, 99 francs. Cinéma, chanson, rien ne l'arrête.
Elisa Tomati dans une robe signée Le Pré-Catelan. Christelle Brua, Frédéric Anton et Rosemary Melka avec l'accessoire de Sonia Filippo pour la maison Cheito. Et l'excellent Fred Anton, Le Pré-Catelan 3 étoiles, s'il vous plaît, monsieur Fred. Le master des masters est mademoiselle Tomati, magnifique, magnanime, comme à son habitude. Très jolie ce soir, dans cette robe chocolat. Et voici celle que vous connaissez bien, puisque vous appréciez sa série Candice le Noir, c'est elle, elle prépare la saison 2. C'est sur France 2, c'est Cécile Bois qui est avec nous. Bienvenue Cécile, dans un modèle de Jean Doucet. Pour le stylisme évidemment. Et monsieur Hironobu Suriguchi pour le chocolat de H. Cécile Bois, Candice le Noir, France 2, une saison à venir encore. Puisqu'elle est en plein tournage de cette série, a fait un encart dans son programme pour être avec nous ce soir. Merci beaucoup Cécile. Alors là, craquez messieurs, craquez mesdames. Voici la reine de France. Oui, dans la série Borgia, sur Canal+, voici Elena Soubeyran. Vous l'avez vu également dans Taken. Vous l'avez vu dans Mesrine, aux côtés de Taken, de Liam Neeson. Elena, c'est Borgia, magnifique série, dans un modèle imaginé par Christophe Alexandre Dauquin pour le stylisme et Patrice Chapon pour le chocolat. Très très joli stylisme, remarquablement chocolaté, la magnifique Elena Soubeyran, reine de France, ma reine, son rôle hein, dans la série. Alors là, que vous dire, vous l'avez probablement identifié. Elle nous a fait vibrer à Wimbledon au mois de juillet. C'est une des seules avec Marie-Pierce et Morespo à avoir gagné un titre du Grand Chelem. Vous ne rêvez pas, c'est Marion Bartoli qui est sur la scène. Soi-même. La gagnante de Wimbledon 2013. Une robe créée par Florencia Sørensen et Philippe Hernachon pour le choco. 3-7 gagnant Marion. Marion Bartoli qui prépare d'ailleurs un concert à Orlando, un benefit concert où elle ira aux côtés d'Elton John qui lui a demandé de venir faire quelques balles à Orlando. Merci beaucoup Marion Bartoli, mesdames, messieurs, grande championne sur cette scène. L'élégance, la finesse, la beauté, le regard, la danse, rien ne lui échappe. Au Crazy Horse, elle était merveilleuse, fantastique. Dans Danse avec les Stars, vous l'avez appréciée. La magnifique Noémie Lenoir, comment y résister? Habillée par Silometu Jane, chocolatée par Vincent Gerlet. Alors mademoiselle, madame, monsieur, cette 19e édition. Il y avait de l'élégance sur scène, il y a du travail des chocolatiers, des stylistes qui ont fait un boulot d'exception jusqu'au cheval, tout à l'heure avec Sophie Talman. Vous allez les voir revenir évidemment, elles vont revenir, ces demoiselles, le plus rapidement possible. Vous avez compris que ces robes en chocolat, ma foi, c'est compliqué avec la température du corps, n'est-ce pas, mademoiselle douce? Ma douce. Tu voudrais célébrer les 25 ans de Jean-Paul et 20, mais d'accord, mais on va en parler, ma Sylvie. Tout d'abord, Sabrina, j'aimerais qu'on accueille également les circassiens et les danseurs qui vous ont régalé sous vos applaudissements nourris. Il s'agit de Sabrina Giordano, chorégraphe de l'AECOM, de Pierre-Yves Duchesne, directeur et fondateur de l'Académie, avec les danseurs de l'Académie internationale de comédie musicale AECOM. Avec moult applaudissements.
Et bien sûr, Nicolas Hesslaine, directeur de la compagnie, ainsi que les artistes lui-même. Merci beaucoup, messieurs, mesdemoiselles, mesdames. Vos applaudissements également pour les équipes de maquillage et coiffure qui sont en coulisses. Adrien Portancier pour Make Up Forever Academy, Franck Provost et Fabien Provost qui ont fait un travail exceptionnel. Voilà le papa et le fiston. Bravo les garçons. Vous avez vu les coiffures. Ah, vous pouvez, mesdames. Je demande d'accueillir maintenant chaleureusement celui pour qui tous les artistes, évidemment, ce soir ont servi, ils sont en faveur. Je vous l'ai dit, le mécénat, chirurgie cardiaque. Je demande à Patrice Rouanet de venir le retrouver sur cette scène, ainsi que Satya Oblet, le porte-parole de l'association. Bonsoir Patrice. Bon Satya, welcome. Craquez les filles, Satya Oblet. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Toujours aussi beau le garçon. Hein. Oh, ça... C'est adorable. Bon, Patrice, au profit, évidemment, surtout en faveur du mécénat chirurgie cardiaque, que peut-on faire pour vous aider, Patrice? Que peut-on faire pour CV? On a opéré aujourd'hui 2200 enfants. Il y en a 30 sur le territoire. Ces enfants viennent seuls en France, moyenne d'âge 5 ans. Ils sont opérés du cœur. Ils sont accueillis par les familles d'accueil. 10 centres chirurgicaux. Donc, pour sauver les enfants, il faut des sous. Donc, ayez du cœur pour qu'il en ait un. mécénat-cardiaque.org et merci de nous soutenir et merci au Salon du Chocolat de nous accueillir. Merci Laurent. Merci Patrice. Alors Patrice, regardez, Satya explique. Maintenant j'ai la main libre, je remets ça à Patrice et on tenait avec Patrice à remercier Sylvie Douce et Stéphanie Sandoz. Merci à vous. Restez avec nous, messieurs, restez avec nous. Patrice, restez avec... Enfin, je vais peut-être vous débarrasser, évidemment, de ce trophée. Mais en tous les cas, vous avez remercié, vous avez eu raison, tous les artistes ce soir qui ont travaillé en faveur du mécénat, avec son porte-parole, Satya, qui était là. Et tous les artistes ont vraiment enjoué de faire ça au profit, évidemment, de mécénat chirurgie cardiaque. Mademoiselle, madame, monsieur, il serait peut-être bon... Est-ce que vous avez envie de revoir ces dames, ces messieurs? Évidemment, ces personnalités qui ont défilé. Là-bas, je sais que nos camarades photographes en ont très envie. Donc, ils vont arriver, si vous voulez bien avancer, monsieur Rouanet, Patrice. Et je vais demander à ces demoiselles de venir nous retrouver sur scène pour la photo. Toutes les personnalités qui ont défilé ce soir. Il y avait Natacha Polony qui était avec nous, Marie-Ange Casalta, Aïda Twiri, Joséphine Jobert, Louise Eklund, Helmut Fritz, Helmut, qui sort un double album sous le nom d'Helmut, tout bientôt. Annabelle Milo, Gila Clara Kessus, Dunia Cossens, Eglantine Emeillé, Pénélope Bagieu, Laurence Roustanji, Judith, Christelle Cholet, Elisa Tombati, Cécile Bois, Elena Soubéran, Marion Bartoli, Noémie Lenoir. Voilà la Cholet, voilà Christelle. Il y a du talent sur cette scène, mesdames, messieurs, j'entends rien.